coucou, alors je vous prends, on est jeudi, c'est 16h30 passé parce que les filles elles avaient cours là. Et du coup je vous montre les haricots qui ont bien grandi. Et on en a aussi ici, voilà. Ceux-là c'est ceux de la chambre à Lucie, je vais vous montrer ceux de la chambre à Lilou. À tout de suite. Bon bah voilà, dans la chambre à Lilou, alors on en a 2-3 dans ce bac. Donc il y a un grand coin sans rien, je sais pas, ça a pas pris. Et là on en a quelques autres. On en a deux, un de chaque côté de la jardinière. Alors c'est pareil, ça n'a pas trop. Voilà. Par contre, c'est un peu sec, je vois, faudra qu'elles y arrosent. Donc voilà, j'espère qu'ils vont bien les entortiller là autour des barreaux, ça serait bien. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Alors on va. Je pouvais pas prendre le cross-cale, Ludovic. Il n'y a plus de batterie, elles ont fait l'école. On va vous montrer, ça c'est le petit portail de l'entrée au jardin avec le petit rosier comme ça. Bon alors le temps il est pas top, hein. Il fait gris et ça pleuviote. Mais bon, on a décidé de venir goûter au jardin. Vas-y Lucie, tu rentres, par contre tu vas pas dehors. Il y a les poules de l'autre côté. Oui, voilà, Lucie voulait vous montrer, il y a les poules de l'autre côté. Mais ils ont déjà vu quand on se promène par là et là-bas derrière, voilà, ça va au parc. Et nous on habite juste là-bas derrière, voilà, bon bref. Donc on est à 2 minutes à pied. Donc là il va y avoir des fleurs et là, voilà, c'est la jungle un peu le jardin. Ça c'est tout ce qui a déjà été enlevé. Une partie par la personne à qui appartient le jardin et une autre partie par nous, on va dire, voilà. Parce qu'en fait, lui, il a commencé à faire ça, mais du coup, il a un autre jardin. Du coup, ce jardin ne l'intéressait pas. Enfin, bon, bref. Du coup, c'est nous qu'on va le travailler au maximum, on va dire, voilà. Donc là-bas, on a Lola. Ça va, Lola? Patatrac. Et de ce côté, par contre, là, tout ça jusqu'au grillage, là, c'est pas chez nous. C'est chez une autre personne, voilà. Et nous, on aura ce côté-là. Donc, je vous montre. On va aller vous montrer après, là, dessous. Et doucement, non, non, Lola, faut pas jeter la terre, par contre. Tu peux la retourner, mais pas la jeter. Donc, voilà, elles gratouillent déjà la terre, elles sont contentes. Lucie, c'est hors de question, je t'ai pas autorisé à prendre ça, c'est pour les adultes. T'as les petits trucs pour les enfants. Donc là, ici là, tout le long, il y a une bordure de pierre que j'aimerais bien récupérer. Donc on va déjà nettoyer tout ça parce que vous voyez, il n'y a même plus de chemin quoi. Ludo l'a tout coupé à la faute tout à l'heure. Cet après-midi, lui, il est venu pendant qu'on faisait la fin des cours avec les filles. Et puis après, ça nous fait quand même un assez grand jardin. Et ensuite, je voulais vous montrer. Bonjour Ludo. Bonjour. Croquette, oh, qu'est-ce qu'elle fait la croquette? Elle est contente? Qu'est-ce qu'elle fait la croquette? Oh, elle est contente, croquette. T'es contente? T'es contente, on est au jardin? Ouais, elle est contente aussi. Allez, on descend. Et là, donc, alors là, c'est la partie que je vous disais. Là, c'est pareil, quelques marches, mais celle en bois, bon, bah voilà. On va les refaire, hein, parce que c'est un peu glissant, surtout quand il n'y a plus. Tu restes là, hein. Tu vas doucement, ça glisse. Eh bien, je te donne la main. Jette-moi ça. Alors, attendez. Non, tu fais pas des... Non, Lola. Là, c'est dangereux. Je veux pas que vous passiez par là. Donc, on a des loups qui vont arriver. Vous restez là. Donc là, on va gérer ça. Parce qu'en fait, sinon, on a le chien qui vient là et puis qui vient faire ses besoins dans notre jardin. Donc, c'est ça. Mais bon, voilà. Ramasser les cacas du chien, ça va pas nous plaire sans ces temps. Donc, on va mettre ça là et puis ça évite que puisse se sauver. Et ensuite, on va faire une barrière aussi là. Parce que si vous voyez, ben voilà, là, il y a la rivière. Mais du coup là, même quand il fait chaud, franchement, dans cette espèce de terrasse, là, on va être super bien cet été parce qu'il y a des arbres, il y a les bambous et tout. Du coup, on est bien protégé du soleil. Donc voilà, il suffit qu'on mette... Là, en fait, on va attacher d'autres bambous sur les bambous là pour faire genre une barrière naturelle, quoi. Donc voilà notre petit jardin. Allez, on remonte. Ouais. Va falloir aller travailler, hein. On va goûter, puis après on va travailler. Puis là, on pourra même mettre la petite table avec les fauteuils, je pense, quand on vient. Enfin, on verra. Tu arrives? Ouais, donc voilà, c'est ça qu'il faut refaire, là. Les espèces d'escaliers en bois qu'ils avaient fait, là, ils ont cassé. Nous, on pense les faire avec le bambou. Bah déjà, parce que Ludo l'a commencé là, comme ça. Et parce que, de toute façon, il y a plein de bambous, donc on va pas s'embêter. Donc, il est là au bord et qui nous barrait le chemin. On les... Et là, Ludo, il est en train de les tailler, en fait. Donc, voilà, voilà. Ludo qui travaille. C'est Ludo qui aura beaucoup travaillé aujourd'hui au jardin. Et les filles qui s'amusent. Bon, on va tenter de les faire goûter. On va voir si on peut goûter ou pas. Franchement, c'est... Voir un jardin, c'est énorme, quoi. Je pense que tous les jours, on va aller au jardin et ça nous fera du bien. Tous les après-midi, ça fait du bien, puis voilà. Et puis voilà. Bon, et ben à plus tard. Bon, alors voilà, il est 7h, on va rentrer à la maison quand même, parce que 5h-7h, on a fait 2 heures de travail.
Donc là, on a commencé à faire une barrière de bambou. Je sais pas si vous voyez. J'ai tressé du bambou comme ça là pour pas dans l'eau déjà. Parce que cet endroit, il est pas très rassurant. Bon, on n'a pas encore accroché l'espèce de paillis là qu'on a. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Là, c'est encore un peu le foin. Il va falloir qu'on ramasse ça demain. On va revenir demain, je pense. De toute façon, on va venir tout le week-end s'il fait beau, parce que vendredi et dimanche, on aura le temps. Là, Ludo, il a refait l'escalier, alors il a fait avec des... C'est trop classe. J'adore. Bravo, Ludo. Hein. Je dirais, ça lui fera plaisir. Parce qu'en fait, les planches de... étaient ben, comme ça, toutes cassées, là, voilà, tout abîmées, donc voilà. Là, on va continuer de... Et puis... Là, on a déjà des plants de bourrache, on a les plants de tomates qui sont à la maison. On a tout ce qu'on a commencé à planter et tout. Et là, on a la terre. Voilà, j'ai... Donc, ça fait déjà, je sais pas, peut-être un quart du jardin. C'est déjà pas mal. J'ai retourné avec la grosse bêche, là. Enfin, le trident qu'on retourne à terre. Donc, voilà. On a dégagé un peu la bordure en pierre aussi. Je suis contente. On la voit mieux. Donc, on la voit presque tout le long, pareil. C'est assez sympa. Donc, voilà. Voilà, voilà. Eh ben, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou à tous. Bon, on vous reprend. C'est Samy. On est à la maison. Ça y est, enfin, on est rentré. Moi, je vais faire à manger. Les filles, elles sont en train de se laver. Mmh. T'es content de ton après-midi ? Ouais, c'était sympa. On a bien avancé. Ah ouais. On a refait la bonne partie. Moi, j'ai fait la barrière. Je suis content. Ce matin, j'avais tout débroussaillé. C'était pas mal. On recommence demain. Ouais. À condition qu'on verra. Ça fait gris, en fait, ça fait des averses par moment. Alors, si on peut y aller entre deux averses, une heure ou deux, ça va être bien. Ouais, ça pourrait être bien. Du coup, voilà. Attends, si je me mets comme ça, c'est mieux. Je sais pas, ça va être pour venir. Voilà, je bois mon café en même temps, ça vous dérange pas. Vu qu'on vient de rentrer du jardin, moi, j'aime bien le café, donc voilà. Ouais, fatigué, là, par contre. Ouais, et en plus, j'ai les 10 kilos de courgettes qui sont arrivés. Le maraîcher nous a livré en même temps qu'on est revenu vite fait. Et du coup, je vais pouvoir faire mes bocaux de courgettes. Voilà, on nous a aussi proposé un autre jardin. Ouais. Enfin... Ouais, mais un autre jardin, mais bon, l'autre jardin, on sait pas trop, parce qu'en fait, s'il est en plein soleil, enfin, bon, c'est un peu compliqué. Moi, je suis pas très sûr qu'on va le prendre, l'autre jardin. On verra bien. Bon. Parce que, voilà. Et sinon, on va peut-être déménager. Ouais, on verra, il y a rien sûr. Voilà, en tout cas, on a pour projet de peut-être visiter une autre maison, on va voir. On a Madame le maire ben, du village qui loue une autre maison. Il y a une pièce de moins, mais... bien moins onéreux. J'ai une parcelle de jardin et un garage surtout. Ouais, il y a une garage. Donc en fait, il y a le garage et le jardin et nous, ben, c'est ce qu'on vous avait dit. On a pris ça parce que voilà, fallait prendre quelque chose. On n'allait pas venir avec les filles et se retrouver sans habitation, quoi. On a pris ici dans l'urgence quand même, voilà, faut le dire. Que je crois que la peinture du mur vert va attendre un peu finalement. Ludo, il est content de ne pas avoir attaqué le mur vert. Pour le faire en blanc. Ouais, du coup, voilà, du coup, je sais pas, enfin, on a discuté un peu avec elle. Donc le loyer est moins cher, il y a un garage, un... Et du coup, il y a un... En fait, c'est le jardin qui est en face de là où on est. Là. C'est la même entrée, tout, mais c'est juste en face. Ouais, voilà. De toute façon, on a déjà fait l'escalier tout, c'est un peu chelou, quoi. Bon, bref. Voilà. Voilà. On va être des poules, enfin, des trois poules. Mais après, il faut voir dans le contrat de... ce qu'on peut pas faire, enfin, bon, bref. On se disait, on s'achèterait bien un barbecue pour un barbecue, genre, voilà. Ouais. Là ça va être le mois de mai, juin, enfin normalement il va faire beau. Moi je mangerai bien un barbecue et puis même on sera au jardin avec les filles si on va passer une journée là-bas. Alors je décide de passer une journée à l'extérieur de la maison, on va dire. Voilà. Sans être collé à tout le monde et pas aller à la rise où il y a du monde, ou voilà, au moins on est dans notre jardin. Quoi. Du coup, je sais pas, bon, on va voir. On va voir parce que maintenant, il y a quelqu'un qui était sur cette maison, elle attend une réponse. Donc peut-être que ça va nous passer sous le nez, mais c'est pas grave. Hein. Ici, il y a 2-3 ans, donc on avait dit on a 3 ans pour voir si on peut trouver quelque chose, soit en location, soit en achat, ou enfin ce qu'on fait. On est bien dans ce village, du coup on est bien dans ce village quand même. Ouais. C'est vrai. Prendre une location, on peut voir après par la suite. Hein. Mm. Parce qu'en fait, ouais, on est bien ici. On est bien ici, donc voilà. Voilà, voilà. Rien n'empêche d'aller voir la maison, après on peut lui demander une location-vente, on peut voir. Hein. Oui, on peut voir, on peut voir. Tout se négocie dans la vie. Voilà. Aussi. Enfin voilà. Bon bah allez, on vous reprend après, je pense quand on sera dans une petite heure, le temps que les filles elles se lavent, je vais aller voir ce qu'elles font, qu'on les lave comme il faut, que je fasse un peu ma vaisselle de midi qui est juste derrière nous, parce que du coup on n'a pas fait la vaisselle de midi. On a profité du jardin, donc voilà.
Et puis là, soir, bah, je vais faire un peu mon ménage, je vais peut-être faire un peu des courgettes et tout. Puis comme ça, demain, c'est pareil, le matin, on va finir un peu les cours des filles. Et l'après-midi, s'il fait beau comme ça, on peut aller au jardin, on est tranquille, on est libéré des corvées, on va dire. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, vaut mieux y faire le soir ou le matin de bonne heure, et puis qu'après, on puisse aller au jardin, quoi. Ouais, surtout qu'on est à moitié à l'ombre. Ouais, le jardin est à l'ombre, en fait. Enfin, il est bien ombragé quand même, donc quand on a trop chaud, on peut aller à l'ombre. Et puis, enfin, on va voir, mais demain, s'il fait beau, je me disais, on prendra peut-être la table de camping, là. Tu sais, qu'on avait pris pour cet été. Notre table d'action, là, avec nos fauteuils, comme ça, même si les filles, elles en ont marre, elles veulent dessiner ou je sais pas, enfin, elles peuvent se prendre un ou deux jouets ou alors... Dans les fauteuils, hein, parce que tu peux la mettre en rase-moquette, là, quand même. Ouais, on peut la mettre basse. Enfin, je sais pas, bah, enfin, voilà. Voilà, bon, du coup, on a un jardin, on va investir un peu le jardin, puis voilà. Bon, et ben, à plus tard. À plus tard, au revoir. Bon, allez, on fait une pause avec Ludo, je vous montre notre installation, parce que vous allez rire. Une grande caisse comme ça pour faire les courgettes et gredoux parce que on a commandé 10 kilos de courgettes au maraîcher, mais je crois qu'on nous a donné 10, 12, 15 kilos, je sais pas, deux grosses caisses de courgettes abîmées. Donc on se retrouve avec genre 20 ou 25 kilos de courgettes à faire et là c'est juste énorme. Du coup, on va déjà les mettre là-dedans parce qu'en fait il faut les jour, mais je pense que j'ai pas assez de bocaux pour les mettre donc. Et on va faire un petit panneau aux voisins, bocaux, de toute urgence. On va qu'ils nous ramènent des bocaux, mais vu qu'il y en a pas mal qui ont déjà coûté les courgettes, je pense que contre un bocal de courgettes, ils nous ramèneront d'autres bocaux. Donc voilà. Bon, allez, je vous montre là. Voilà, Ludo l'a déjà lavé tout ça. Il y a tout ça qui attend. Il y en a encore là-bas en bas, non? Donc là, il y a tout ça qui attend. Et là-bas, il y a encore tout dans la caisse. Donc voilà. Bon, on va tenter de finir ça ce soir. Allez, à tout à l'heure. Coucou à tous, bon c'est 23h20, je viens de regarder mon téléphone là. Du coup je viens clôturer le vlog toute seule parce que Ludo il est parti sortir le chien. Et bah moi j'ai déjà pris ma douche, je suis dans mon lit et à vrai dire je voudrais monter le vlog pour que vous l'ayez demain pas trop tard. Vu qu'on a profité du jardin et tout, je compte vloguer que pour la journée là. Bon voilà, pour vous montrer un peu le jardin et tout, j'ai hâte ben voilà, enfin de vous le montrer puis c'est tout. Donc voilà, on a fait 14 kilos de courgettes là ce soir. Du coup, je suis contente, on a bien avancé sur les courgettes. Demain, je vais... Enfin, matin, on doit faire un peu l'école des filles. C'était deux exercices qu'elles n'avaient pas finis. Bon, aujourd'hui, c'était moins motivé. Bon, voilà. On n'a pas... En fait, comme on sait que vendredi, c'est férié, en fait, on n'a pas... On leur a pas dit, allez, allez, allez. Faut finir les deux exercices. Matin, elles étaient moins motivées. Je dis, bah, c'est pas grave, on les fera demain. Demain, c'est vendredi, on a le temps. Bon. Après, on fait aussi... Enfin, ce qui est bien, comme là, l'école à la maison, les gens sont moins motivés, j'essaie de moins les charger de travail. Du coup, bon, voilà, elles sont contentes. Et puis après, ben voilà, il y a des jours où on en fera plus, des jours où on en fera moins, c'est comme ça. Comme je vous ai déjà dit, nous, on se prend pas la tête. S'il faut rattraper sur un mercredi matin, ben on le fera. Demain, c'est vendredi férié, mais honnêtement, pour nous, ça change rien, parce qu'on est tous dans la même situation, on est tous à la maison, donc... Enfin, voilà, quoi. On est... Enfin, c'est la même chose que le reste de la semaine. Soit un jour férié ou un dimanche, voilà. On fait à peu près la même chose. Donc on peut rattraper le. Enfin, voilà, ces fois-là. Donc. Donc voilà, voilà. Pardon. Sinon, on a déjà un voisin qui nous a donné de la bourrache et des pieds de tomates pour mettre dans notre jardin. Du coup, voilà. C'est marrant parce qu'en fait, il nous pose des questions avec des trucs pour planter au jardin. Vu qu'ils ont vu qu'on avait bien avancé, il y en a, ils nous posent des trucs de. Portail du jardin, bon voilà, c'est vraiment marrant, enfin c'est marrant, oui, c'est moi, ça me fait rire ce village, voilà, tout le monde partage, donc voilà, je sais pas, je vais pouvoir discuter avec Ludo, parce que là, on n'en a pas trop reparlé ce soir, franchement, on a voulu faire les courgettes, on a fait toutes les courgettes, on a discuté de plein de choses, mais pas du jardin, et puis, ouais, je voudrais vraiment qu'on plante ben, des choses dans le week-end, comme ça, voilà. Après, on m'a dit, il y a les Saintes Glaces, je crois que c'est jusqu'au 13 mai, on m'a dit. Bon, je sais pas, enfin nous on marche pas trop avec les saints de glace en général. Je sais pas si ça fonctionne ici. Bon après quand là où on était en Haute-Savoie, c'est sûr que nous, même les pieds de tomates et tout, on en a eu mis, mais franchement, les pieds de tomates, on les a mis plutôt dans les gros pots sur la terrasse. Parce que ben, c'est pas des trucs. Enfin, il fait pas très chaud en Haute-Savoie. Ici, les températures sont déjà beaucoup plus bonnes. Donc je pense que ce sera beaucoup mieux, quoi. Après, je sais pas, on va voir. Oh, je suis fatiguée, je suis désolée.
Je crois que ça nous a... Enfin, les filles se sont endormies super rapidement ce soir d'avoir été au jardin. Elles ont essayé avec la grosse bêche. C'était marrant parce qu'en fait, il faut... Enfin, c'est le trident, là. Ça a trois dents, puis on met les deux pieds dessus pour retourner la terre. Et alors, c'était trop marrant parce que les filles, elles essayaient, mais alors elles se mettaient chacune d'un côté de la... D'un côté, leur poids pour essayer de tourner la terre. Enfin, bon, voilà. Et puis, elles ont fait ça trois fois. Elles ont dit que c'était trop dur, hein. Bon, c'est vrai, c'est compliqué. Enfin, c'est physique, quoi. Voilà. Elles sont encore petites. Après, elles ont voulu essayer. Bon, du moment qu'on les surveille, parce que c'est quand même des outils un peu dangereux, mais bon, du moment qu'on les surveille, voilà. Ludo, il était en bas avec Lola en train de faire les marches, justement. Donc, Lola a aidé Ludo. Après, c'est Lilou, je crois, qui a aidé aussi Ludo à faire les marches. Enfin, voilà. Du coup, j'avais les deux grandes, elles voulaient essayer. J'aurais laissé essayer un moment, mais c'est pas génial. Donc, voilà. C'est compliqué pour elles. Bon bah je serai contente quand le jardin sera propre et la terre elle sera retournée un peu partout. Bon normalement, alors dans l'ancien jardin on avait fait une butte de permaculture, on retourne pas la terre. On avait enlevé les cons et tout, mais là je sais pas ce qu'on va faire dans le jardin. Je sais pas du tout. Si on va refaire en permaculture ou pas. En même temps comme il est pas tout à fait à nous, enfin on sait pas trop quoi, voilà. Je pense qu'on va planter des trucs pour manger là cet été, puis après on verra si on arrive à en obtenir un à nous. Donc voilà. Parce que l'autre qu'on nous propose de louer, là en plein soleil, Ludo me dit, pour y aller avec les filles, c'est de la galère, quoi. Pardon. Là, ce qui est bien, c'est que même si cet été on veut y aller, on est sous les roseaux, elles peuvent être à l'ombre, on peut aller pique-niquer là-bas, ou même passer la journée, parce qu'elles aiment être en pleine nature, donc voilà. Donc voilà voilà, donc je sais pas, enfin non, on sait rien du tout honnêtement. On attend de voir et puis voilà quoi. Et puis voilà. Après. Ouais, c'est. Enfin c'est compliqué. Ben en fait avec le confinement en plus, ben. Genre la mairie, ils n'ont pas le droit de nous louer les terrains pour l'instant. Tatatitatata. Donc ouais, c'est plus compliqué, ça complique les choses. Donc voilà. Moi j'aimerais bien trouver un jardin plus grand à nous. Mais quand même comme là au bord de la Rise avec voilà du avec de l'ombre, enfin en plus là il y a l'eau, il y a la rivière à côté, il y a l'eau, il y a tout quoi. Je veux dire c'est l'idéal, enfin voilà. Voilà voilà. Après je sais pas, on verra bien ce qu'on peut trouver. De toute façon, on a cherché sans trop chercher hein, cette année, vu que nous on s'était dit c'est le confinement et tout, on verra ça l'année prochaine, fin d'hiver, disons. Allez, février-mars, l'année prochaine, on verra pour trouver un jardin. Puis du coup, on a trouvé celui-là. Ça nous est tombé plus ou moins dessus. Du coup, on l'a pris, mais on s'était pas... Enfin, voilà. On s'était pas projeté pour faire vraiment un jardin nourricier, on va dire, pour se nourrir là tout de suite. Mais bon. Du coup, on verra ce qu'on fait. Enfin, on verra ce qu'on plante, on verra ce qu'on récolte. Et puis, on verra bien ce qu'on aura obtenu. C'est toujours mieux que rien, je veux dire. Voilà. Et puis, pour l'année prochaine, on verra. Parce qu'en fait, la personne qui a jardin là, il loue une maison avec le jardin et apparemment, il veut partir de cette maison. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il déménagerait, mais s'il déménage, du coup, on n'aura plus non plus accès au jardin. Il nous dit déjà, il déménagera pas avant la fin de l'été. Hein, donc, c'est pour ça que je vous dis, on a au moins le jardin pour l'été, mais après août, septembre, on ne sait pas trop. Donc, bon. Je pense qu'on est dans une conjoncture où, enfin, pour se projeter, ça va être compliqué. En plus, voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai eu le mail de l'école, là, pour savoir si je comptais remettre les filles ou pas à l'école. Ils savent pas encore s'il y aura le transport scolaire qui sera organisé. Ils savent pas non plus pour la cantine comment ils feront. Ils savent que les enfants iront en classe une semaine sur deux. Voilà, c'est tout ce qu'ils nous ont dit. On n'a franchement aucune information concrète sur le comment ça va se passer. Pour les mesures sanitaires et tout, enfin, voilà. Moi, j'ai répondu à la maîtresse de Lucie et Lilou que je ne comptais pas les remettre, qu'elles n'avaient pas de difficultés particulières, tout ça, que l'école à la maison se passait plutôt bien dans l'ensemble. Après, il y a toujours des trucs plus compliqués que d'autres, mais bon, voilà. Hein. Et que, ben, du coup, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à les remettre à l'école pour genre 2 semaines, puisqu'en plus, elles commenceraient après le 25 mai. Donc, c'est ça, en juin, il reste 4 ou 5 semaines, et elles iraient peut-être 2 semaines à l'école, quoi. Enfin, ça ferait quoi, 8-10 jours? Que je voyais pas l'intérêt de les remettre et que pour moi il était impossible que les enfants respectent la distanciation sociale, que ce soit en cours de récréation. Et je lui ai aussi posé la question, quand un enfant va être triste, qu'il se fera mal, personne ne le consolera. Enfin voilà, j'ai posé la question, je pense que la maîtresse elle y est pour rien, mais je lui ai quand même posé la question pour dire que ben, à un moment faut arrêter de se moquer de nous quoi.
C'est pas parce qu'on va les mettre une semaine sur deux que ben ils auront aucun contact avec personne, c'est faux quoi. Donc voilà. Après, ben, malheureusement, nous, ils ne nous appellent pas pour nous demander. Voilà, on reçoit un mail, on doit répondre avant lundi si on compte les mettre ou pas, point. C'est un peu. Enfin, c'est la directrice qui a écrit ce mail, mais je trouve que le mail, il est un peu. Comment dire? Eux, ils veulent juste savoir pour leur organisation personnelle. Hein. Après, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Enfin, je trouve que c'est aussi le rôle de l'enseignante, peut-être, de nous accompagner dans ce genre de choses, quoi. Moi, j'avais des questions à poser. Genre à la maîtresse de Lola. Est-ce que. Enfin, moi, je compte pas remettre Lola, mais est-ce que ça veut dire que Lola sera apte ou pas à passer en CP l'année prochaine, comme on va le savoir? Parce que moi, je ne suis pas institutrice, donc je ne sais pas si elle a les capacités ou pas. Les grandes, c'est assez facile, dans le sens où elles ont des facilités, elles n'ont pas de difficultés à l'école, voilà, comme je vous le disais, mis à part l'écriture. Lilou aime moins écrire, mais bon, quand il faut écrire, elle n'a pas le choix, elle s'y met. Donc, enfin, elles n'ont qu'une difficulté et tout. Mais Lola qui est plus petite, ben, moi, je ne sais pas si elle est capable de passer au CP ou pas l'année prochaine. Et comment ça va faire? Comment ça va se passer? Est-ce que du fait que moi, je décide de la garder à la maison, elle sera pénalisée là-dessus? Ou... Enfin, voilà, je me pose pas mal de questions, parce que voilà. On a un état, enfin l'état, il prend des décisions et il dit aux parents, mais chacun fait comme il veut. Ouais, mais bon, est-ce qu'il y a un retour de bâton derrière, quoi, j'ai envie de demander, parce qu'en même temps, chacun fait comme il veut, mais celui qui va pas travailler, il sera pas payé, il aura pas le droit au chômage partiel, puisqu'il garde son enfant. Bon, voilà, quoi. Enfin, bon, voilà, je vais pas m'énerver avec ça, mais bon, vous aurez compris que ça me contrarie quand même, voilà, ouais, ça me contrarie. Puis je trouve que, ouais, enfin, je sais pas. Donc voilà. Après, moi, enfin, une maman avec qui je m'entends bien dans le village, qui a d'autres enfants et que bah, c'est presque une amie maintenant, parce que voilà, depuis le début qu'on est là, on discute beaucoup ensemble et c'est une maman avec qui je m'entends très bien, elle compte pas non plus remettre ses enfants. Donc ça me rassure. On a aussi parlé de pourquoi est-ce qu'ils ouvriraient pas plutôt l'école qui est dans notre village. Parce qu'il faut savoir que nous, on a une école dans notre village qui a été fermée il y a quelques temps. Sauf que voilà, ben, si on avait l'école dans le village, je serais peut-être moins contrarié par le fait de remettre mes filles à l'école, enfin je sais pas. Enfin là déjà je suis pas d'accord pour la simple et bonne raison, c'est que notre école, c'est une école qui est dans une ville voisine, où il y a plusieurs villages qui s'y rassemblent, où les instituteurs viennent d'autres villages, tatati tatata. Donc moi je me dis ça fait déjà brasser la population pas mal, quoi. Même si, enfin ouais, ça fait brasser. La population est quand même brassée par rapport aux enfants qui viennent de plusieurs villages différents. Ensuite, des professeurs qui viennent de même beaucoup plus loin parfois, 30 km, ou voilà. Hein. Donc je me dis, ça fait beaucoup brasser de population, et voilà. Rien que pour ce point-là, déjà, c'est négatif pour moi, dans le sens où, voilà, on peut brasser le virus et la porter à un grand nombre de personnes, quoi, c'est tout. Enfin, il n'y a rien d'autre à dire, voilà. Ou sinon, on est content, on a passé une bonne journée. Franchement, ça fait du bien d'aller au jardin. Bon, là, ce soir, je vous avoue, je suis fatiguée. J'ai mal au dos quand même, parce que voilà, hein, retourner la terre, c'est un peu physique, et ça fait des mois qu'on fait rien, donc voilà. Mais ça fait du bien. C'est une douleur et une fatigue positive, on va dire, voilà. Enfin, même moralement, franchement, moi, c'est voilà, c'est mon bonheur, rien que d'aller au jardin. C'est le moment de décompression de tout le monde, quoi. Quand les filles, elles ont eu la classe en ligne et tout, elles en avaient marre, je leur dis, allez, on vous fait la classe en ligne, vous êtes sages, et après, on ira au jardin prendre le goûter. Vous les auriez vues, elles étaient tellement contentes qu'elles auraient raconté à la maîtresse qu'elles pourraient prendre le goûter au jardin aujourd'hui. C'était trop marrant, c'était jour de fête en fait, c'est ça. Enfin voilà. Du coup, ouais, on est content d'avoir ce bout de jardin, c'est un peu notre havre de paix et de tranquillité, quoi. Du coup, voili, voilou. Bah sinon, c'est tout, ma foi, rien de plus à ajouter. De toute façon, je pense qu'on filmera encore un peu dans le week-end. Ouais, s'il fait beau, demain, on retournera au jardin. Enfin, après, peut-être qu'on filmera sur vendredi, samedi, dimanche, je sais pas. Là, on a fait les courgettes ce soir, donc... Ah oui, ce matin, j'ai aussi mis ma lessive en bocal. Les courgettes, faut savoir que là, je les ai mis dans la boîte avec du sel et des oignons. Je vais les laisser mariner jusqu'à demain soir. Demain soir, il faut que je les rince. Ça va être comique pour les rincer dans la passoire. Ça va être génial encore. Je pense que je sortirai une grosse casserole et en fait je les rincerai au fur et à mesure, quoi. Pour les remettre après. Après, alors demain soir, il faut que je les rince, que je mette le sucre, les épices et tout, je crois. Et après, j'ai refait mariner eh ben, une journée complète. Enfin, 24 heures. Et alors, demain sera vendredi soir, samedi soir.
Il faut qu'on cuise le jus sans les courgettes. Ensuite, on remet le jus chaud sur les courgettes. Et dimanche, eh ben, faut tout mettre en bocal. Donc ça me laisse jusqu'à dimanche matin pour trouver des bocals, parce qu'après, il va falloir que je les stérilise et que je les mette sur des torchons. Ça va être... La mise en bocal, ça va être long et fastidieux, on va dire, voilà. Parce que franchement, ouais, c'est long. Mais bon, je suis contente parce que voilà, on aura des courgettes. Franchement, là, j'en aurais fait 14 kilos. Je pense qu'on a de quoi tenir un bon moment. Honnêtement, moi, j'ai commandé 10 kilos maraîchers, mais je comptais pas en faire 10 kilos, hein. Sur les 10 kilos du maraîcher, il doit m'en rester 3-4 kilos que j'ai mis de côté. Je voulais faire aussi un peu des courgettes. Alors nous, on aime bien les courgettes en gratin, alors que soit les courgettes aux chèvres. Ou alors je fais des courgettes avec du quinoa et enfin du quinoa et du chèvre aussi, on aime bien les courgettes au quinoa et au chèvre. Je fais les courgettes farcies, donc je les mets dans le plat et je mets la farce comme une bolognaise et tout. Enfin, je fais comme une sauce ouais bolognaise rapide avec un peu de gruyère, je mets ça au four. On les mange comme ça, on aime bien. Enfin non, on les mange en tout, les courgettes, on adore ça en plus, les filles elles adorent ça aussi. Moi, c'est l'un de mes légumes préférés. Franchement, j'adore les courgettes. Elle les mange poêlées en beignets. Voilà, on les mange même crues. En fait, on les râpe. Moi, je les râpe avec l'économe, là, de... Ça fait comme des spaghettis de courgettes, on va dire. Ou plutôt, ça fait des tagliatelles de courgettes avec un peu de jus de citron en salade. C'est super bon aussi, on adore ça. Et puis, ben voilà, en aigre doux, j'en fais ben, toutes les années. Et de toute façon, on en fait beaucoup parce que ça se mange super bien en aigre doux. Franchement, même beaucoup de gens qui nous disent soit qu'ils aiment pas trop les gros doux, mais quand ils mangent les courgettes qu'on fait, ils les aiment. Ou soit des gens qui aiment pas du tout les courgettes et quand ils mangent, ils goûtent mes courgettes, là, aigre doux, ils disent, oh, mais c'est trop bon, ça a pas le goût de courgette. Du coup, voilà. Après, je pense que ben, on a trouvé le bon équilibre pour la sauce aigre doux. Hein. On a tâtonné un peu pendant 2-3 années, c'était bon, mais c'était pas super. Et là, franchement, on a la bonne recette, on changera plus. Voilà. Donc voilà, voilà. D'ailleurs, il faut que je recopie la recette. Parce que j'ai déjà enfin, plusieurs personnes qui m'ont demandé. Donc il va falloir que je la recopie et que je la donne un peu voilà, aux personnes qui me l'avaient demandé aussi. Faut que j'y pense à la copier déjà. Comme ça, quand on sera un peu déconfiné, je pense que je pourrais la donner aux personnes qui l'avaient demandé. Ça serait bien. Donc voilà. Bon après, moi j'ai fait 14 kilos de courgettes. Je sais très bien que voilà. On va pas. Enfin, on va pas tout garder non plus. On a une. Enfin, là, les courgettes qu'on nous a données, qui étaient abîmées, c'est une association en fait qui nous les a données. C'est une association qui récupère les invendus ou les invendables dans les supermarchés, qui redistribue à des bénéficiaires et qui après, ben voilà, enfin, c'est une association d'aide alimentaire, on va dire. Et du coup, cette association d'aide alimentaire, ils nous ont donné les courgettes là. Et je leur ai dit, ben, vu qu'ils nous donnent plein de courgettes et tout, enfin, voilà. Ils ont tout distribué aux bénéficiaires et il restait des choses. Ils nous ont demandé si on voulait en faire quelque chose. Parce qu'ils savent que nous, on fait des confitures, on transforme les légumes abîmés, enfin voilà. Et du coup, je leur ai dit qu'on leur donnerait aussi des bocaux, donc ben, pour distribuer directement aux bénéficiaires et tout. Enfin voilà. Je veux dire que, enfin, eux, ils nous ont donné, je sais pas combien de kilos de courgettes. On peut bien leur redonner 10 ou 15 bocals, quoi. Je veux dire, ça nous. Enfin, de toute façon, voilà quoi. Vu le nombre de bocals que je vais faire, à mon avis, 15 bocals, ça fera pas un trou dans le stock que j'aurai, quoi, voilà. Et puis ça permet de partager, voilà, à nouveau, avec des gens qu'on a plus ou moins besoin. Et enfin, voilà, de trois. Enfin, je trouve que c'est bien que les magasins, ils jettent pas, ils donnent. S'il y a des familles qu'on a besoin, elles nous ont récupéré. Et après, comme il reste des choses, nous, on les transforme. Et après, on rend les produits transformés ou une partie des produits transformés, en tout cas. On leur rend une partie des produits transformés pour eux ou les bénéficiaires, bah c'est bien puisque ça fait marcher le partage, l'entraide. Voilà, nous, c'est ce qu'on veut développer au maximum. Ici, on vous en a déjà parlé, et même dans le village, bah, de toute façon, tout se passe comme ça. Donc, c'est déjà un village où il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de partage, plein de choses. Voilà. Et ça, c'est juste, franchement, c'est juste génial. Donc, voilà. Bon, et sinon. La mamie d'à côté là qui nous enquiquinait là, qui nous, franchement, voilà, qui nous pourrissait la vie, franchement, voilà. On l'a bien remballée et là, elle nous adresse plus la parole, donc au moins on est tranquille, hein. Voilà. De toute façon, elle se promène tous les jours, non, mais sérieusement. Elle parle avec une copine à elle, je sais pas quoi. Et elle discute là avec des gens et tout.
Franchement, je sais pas s'ils sont conscients que on est censé rester chez nous et pas discuter avec tout le monde, quoi. Enfin, voilà, quoi. En plus, ils ont un certain, enfin, ils ont un âge avancé et c'est eux qui sont le plus à risque avec le coronavirus et tout, mais elles font même pas attention, quoi. Enfin, elle fait pas attention du tout. Moi, ça me chagrine, quoi. Enfin, bref. C'est comme ça, mais bon. Je me dis, c'est quand même malheureux que c'est le genre de personne qui veut pas comprendre, quoi. On arrive à faire entendre à nos enfants qu'il faut rester chez nous pour le bien de tout le monde et tout, et des gens comme ça, on n'arrive pas à leur faire entendre, quoi. Enfin, voilà, quoi. Pourtant, les filles, les copains, ça leur manque, machin bidule. Aujourd'hui, je leur ai annoncé qu'elles n'allaient pas retourner à l'école de... Enfin, qu'à mon avis, elles n'iraient pas à l'école avant le mois de septembre, que moi, je refusais de les mettre à l'école tant que on n'était pas sûr qu'elles soient en sécurité à l'école. Je veux dire, voilà, enfin... Lucie et Lilou, en tout cas, elles ont très bien compris. Bon, Lola... Mis à part que là, elle m'a dit c'est nul, parce qu'elle préfère aller à l'école et avoir les copains. Voilà. J'ai dit bon ben oui, mais tant que t'es pas en sécurité, ben je te garde quand même, c'est mieux pour toi, donc voilà. Jusqu'à preuve du contraire, tu resteras à la maison. Mais après, je veux dire, elles n'ont pas super mal pris non plus, quoi. Elles n'ont pas non plus été super étonnées, parce que voilà. Elles savent un peu ce qui se passe, on en discute avec elles et on essaye de leur expliquer. Moi, je me suis pas caché que c'était notre choix à nous. Parce qu'elles ont bien entendu que le 11 mai, elles pourraient aller à l'école d'après Tatatif, hein, d'après les infos ou n'importe quoi. Faut pas, ils sont pas bêtes, hein, ils entendent bien aussi ce qui se passe. Je leur ai dit oui, mais eux, ils disent qu'il y a moins de risques pour les enfants, mais ça veut pas dire qu'il y en a aucun. Donc moi, tant que je suis pas sûr que vous avez pas de risque, je veux pas vous envoyer parce que j'ai trop peur qu'il vous arrive quelque chose de grave. Donc elles ont compris. Elles ont compris qu'on resterait confinés encore, ben voilà. Une bonne partie de l'été, on leur a aussi expliqué que ben pour les vacances d'été, on ne sait pas trop si on va faire quelque chose, hein, parce que voilà. La situation permet pas vraiment de se projeter jusque-là et permet pas de dire ouais, on va partir en vacances. Donc bon. Enfin, moi j'essaye de leur faire comprendre et d'en discuter au maximum avec eux. Bon allez, ça fait 20 minutes que je blablate, je vais vous laisser et je vais vous dire bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!